Et yo les gars, on se retrouve pour la suite de Uncharted partie 8. Putain, c'est trop bizarre de refaire des vidéos parce que là j'aimerais vraiment relancer dans une vidéo normale. Je vais arrêter un peu les shorts. Je vais me mettre en pause, on va dire. Bon, là, parce que voilà, je vais reprendre en fait 5-6 vidéos par jour. Je vais les reprendre. Promis, parce qu'avant je faisais deux, je faisais pour ceux qui ont connu à l'époque, je faisais une vingtaine de vidéos par jour. Et là, je vais reprendre. Comme une fois, on a fait un let's play de jeu. Voilà, je sais plus c'était quel truc, mais je sais qu'une fois, on avait fait un let's play sur un jeu. En 2 jours, là, il finit. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Bon, allez, on reprend. Nous étions arrivés quand ce Nathan Drake et son frère, que j'oublie. Et non, on était pas... là, on est avec Nathan Drake et Sully. Nathan et Sully. Sully. Bon, Sully, on va se casser. Vers la tour de la balance. Et son frère, que j'oublie toujours son nom. J'oublie toujours son putain de nom. Je suis désolé, j'oublie toujours son nom. Est parti. À la fourche là, genre de truc là du roi Poséidon, je sais plus comment ça s'appelle. On arrive au marché de Narzazet. C'est un très beau marché dans la vraie vie. Hein. Pour ceux qui ont la chance de déjà y aller. Voilà notre tour. Non mais tu crois vraiment que tous ces trésors nous attendent gentiment en plein milieu d'un marché? Ce serait complètement dingue. Mais on en a déjà vu le truc dingue. Ici, il parle français. Excusez-moi mes petits potes. Et même quand tu joues avec la version américaine, il parle française. Français, française, voilà. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Vous pouvez aller vraiment sur un let's play américain. Là, on va voir un mec, là, on va discuter avec lui. Il va dire, ah oh, mon ami, là. D'accord, je sais quand si on spamme le bouton triangle, allez, 400 $, il est authentique. Ça sent 400. Allez quoi, $200. Ok, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas vous vendre cet objet pour moins de $300. Et ce sera ma dernière offre. D'accord, je m'attends pour 300. Hey, c'est sûr. Ok. Et là, je sais qu'on débloque normalement un trophée expert en négociation, je pense. Voilà, c'est un petit trophée. Voilà, j'aime bien vous dire que j'aime bien des fois quand on fait des petites vidéos, quand on se dit, ah tiens, il y a un petit trophée là. Là, il y a une meuf qui vend des pommes, tu peux l'acheter aussi. Une femme, une femme. On va le faire aussi, on va acheter des pommes. Ouais, mais t'es où? Ouais, je le veux tes pommes. Eh, salope. Oh pardon. Madame, passez ma pomme. Je peux pas passer de pomme. Tant pis. C'est où, c'est là? Bah c'est pas la même femme. C'est pas la même. C'est la première fois que je suis avec elle. Normalement je suis avec l'autre là-bas. Mais... Ah elle, mais... Non, pas elle. Celle au-dessus là, vous ai montré. Mais... Et où le singe? Il y avait un singe, je veux le chien, ça. Oh. Ah, il est là. C'est pas un singe. C'est un. Je sais pas c'est quel nom. Ah, lémurien. Il a piqué sa pomme. Allez. Et à la fin, on le voit. Non, je vais pas balancer le jeu. Eh, c'est beau. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Par contre, c'est normal, les gars. Eh, hey, les gars, on est en Afrique. Non, on n'est pas en Afrique ici. On est en. Le Mexique, je crois. Je sais plus. Pardon.
ça c'est du requin ça. Mon grand-père il en a jamais mangé du requin. Il dit que c'est bon. Il a mangé du crocodile. Crocodile, ouais. Voilà, du crocodile. 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 C'est du crocodile ou des alligators qui a mangé un crocodile ou un alligator? Je crois que c'est un crocodile. J'ai plus été parti où? Parce que mon grand-père a beaucoup voyagé. Il est en Corse, en Espagne, il est en Amérique. Mais voyage. Parce qu'à l'époque, il faisait ses livraisons de camions avec mon oncle. Il voyageait beaucoup. Oh! Même en Écosse une fois. Non, quoique non, en Écosse. Je crois qu'il va déjà parler d'Écosse, mais je suis pas sûr. Pas envie de dire qu'on est l'Écosse, je suis pas sûr. L'Écosse, je ne suis pas très sûr. Qu'est-ce que tu paries? J'en suis sûr que ça a marché avec une bise à un euro. Scorpion. Zodiac. D'accord, je connaissais pas. Lion. Ça, je connais. Et ça, le taureau. Ah. Faut les faire sonner dans l'ordre. Attends. Scorpion. Arrosoir. Le scorpion et l'arrosoir. Scorpion, arrosoir. C'est Zodiac, mais j'appelle ça l'arrosoir. Je vous emmerde. D'accord? Dans les commentaires qui ouvre sa gueule, je vous emmerde. Écoutez-moi, je vous emmerde. Cordialement. Merde, c'était. Putain, c'est Scorpion. Scorpion, Scorpion. Pas besoin de l'ouvrir. C'est bon. Le Scorpion. Et. Vous savez que ça, c'est un... ça. Je pense que c'est un des pires cauchemars. De, tu vois, être coincé dans des, je sais pas comment expliquer ça, des engrenages, voilà. Être coincé dedans, tu vas me faire écrabouiller par deux engrenages. Ça pourra jamais m'arriver. Mais c'est quand même une peur. Il y en a qui disent que c'est une peur inutile, bon. Ouais, moi, j'ai pas peur des serpents, comme certains. Et par contre, les mecs, ils ont peur des serpents, je vous comprends pas. Hein. Les araignées, je peux comprendre. Les araignées, moi j'ai peur des araignées. Mais des serpents. Merde, c'est pas le bon. Attends, faut encore monter. Ça là, c'est ça mon cauchemar. C'est ça là. Et c'est ces petits. Dans les dents là, les dents là. Quoi, c'est maintenant, c'est dans les dents là. Ah, ça, j'ai horreur de ça. Non, ça c'est le lion. Non. Il me faut mon scorpion. Putain, mais wesh. Ah, là. Putain, mais. Ah, oh, ouais. Hop. Un scorpion. Attention aux oreilles. Là-bas, en bas, la balance. La balance, le Sagittaire, je crois, il a dit. Hein. Non, signe du Zodiac. Pas signe du Zodiac. Quand il y a le tueur du Zodiac, c'est un vrai tueur qui a vraiment existé. On me souvient, le Zodiac. C'est un vrai tueur qui a vraiment existé. Après c'était Lyon je crois.
attendez, j'ai réfléchi. Je vais pas en une heure, parce que c'est la facilité pour moi d'ouvrir. J'hésite entre le taureau et le... ça me ferait chier. Parce que j'ai vraiment un doute. Je sais pas. Vraiment, j'ai pas envie de faire de conneries. C'était lion. Putain, j'avais raison. Faut que je me fais plus confiance à moi-même. Lion était en haut, je crois. Oula. Là, mon garçon, c'est dangereux. Là, qu'est-ce que tu fais, mon garçon, hein? Lion, il est en bas. Attends, je comprends le principe. Faudra que... Putain. Wesh. Je te parie ce que tu veux qui est tout en haut, c'est ça? Ah non, lion, il est en bas. Oh merde! Ça me fait chier. Ah non, lion, il est là, mais... Il faut que je trouve un moyen pour faire le tour. Pour atteindre le sommet, je pense que devoir faire le tour et des... Là. Par contre, échelle. C'est très peu intéressant. Et il manque le taureau. Et je te parie 60 balles qui est tout en haut. Ah bah là, non. Le scorpion. Ah ouais. Ah, taureau. Ah, Call of est terminé. Mais il va voir la notification. Je renvoie les notifications vidéo. Ça va vraiment que je désactive un jour. Mais en vrai de vrai, j'ai la flemme. J'ai pas la flemme. J'ai la flemme. Genre, ça me casse les couilles, les gars. J'ai vraiment des fois, j'ai des flemmes. Pas n'importe. C'est pas là, moi je parle pas d'une flemme. Je parle pas de la flemme. Ouais, je suis un peu fatigué. J'en ai un peu marre. Non. Je te parle de la vraie flemme, celle qu'elle te casse les couilles tous les matins, tu vois. C'est la même flemme que tu veux pas te lever. C'est fou en plus, moi je me lève tôt d'ailleurs. 7 heures je suis levé. Quoique, attends. Je me demande si le taureau il est pas en bas en vrai. Attends Gertrude. Wesh, non il est en haut. Il est en... Mais Gertrude! Ah, il est là. Bonjour monsieur. Putain. C'est en or ? Non, c'est en cuivre. Il n'a pas. La cloche tout en haut. C'est la nana.
Voilà. C'était sympa. Attends. Hop. Non. Putain. À la Assassin's Creed. Et je vous parle pas Assassin's Creed Valhalla, le jeu de merde. On parle d'un vrai Assassin's Creed. Ah là, voilà. Je suis désolé, j'aime pas Assassin's Creed Valhalla. Pour moi, c'est un des pires Assassin's Creed. Je suis désolé, Miss, si tu regardes Miss, si tu regardes cette vidéo, j'aime bien ton contenu sur Twitch avec tout Lunatic TV, mais sinon, Valhalla, c'est pas trop dire. Attends, il n'y a pas un petit truc en haut? Attends. Je pense qu'on va monter en haut parce que je pense qu'il n'y a pas un petit trésor à récup. Parce que regarde, il y a là, ça si on peut, c'est logique, faire sonner la cloche. Mais il n'y a pas un moyen de monter en haut, je sais pas. Ah là, si. Je vous parie que ce que vous voulez. Il y a un petit trésor, s'il vous plaît, un petit trésor. Je sais que dans le jeu, des fois, il y a des références à The Last of Us. Partie 1. Parce que voilà, que ça se fasse donner pas encore ceci. Oh non, wesh, on voit ma maison d'ici et celle-là, là, la même. Voilà. Alors, ah non, ça change strictement rien. Ah non, s'il y avait un truc, oh non, il y avait un truc en haut. Fait chier, bah tant pis. Oh merde, non. Ouais. On va recommencer, hein. Ah non, je refuse de me barrer sans le trésor. Je suis sûr à 100% qu'il y avait un trésor, j'ai vu un truc qui brille. Oh la, la pub dissimulée là. La pancacheuse, c'est une marque de trucs. Je jure que c'est une marque qui existe dans la vraie vie. Je suis sûr à 100 000%. C'est pas ici qu'on voit des gravures d'un claqueur dans The Last of Us 1. Non, c'est pas ici. Je me trompe peut-être de jeu. Que dans The Last of Us 1, même le 2, vous voyez beaucoup de secrets en. T'as mon chien. Beaucoup de secrets sur de Uncharted. Ah, voilà. La dague marche. Oh, de machette. En liège dans c'est une dague en quoi en manche en manche oh putain en manche de liège
putain. J'ai dit en mode de machette, n'importe quoi. Pour ma défense, vraiment mon écran est vraiment loin de mes yeux. Ça a un lion ou un chien? Oula. Oula, 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 oula. Oula. Ta mère la pute. J'étais sûr qu'il y a un truc qui tombait, mais j'étais à faire sa pute, ça avait sursauté. Oh, j'ai réussi à ouvrir la porte. C'est une façon de faire. Tout va bien. C'est... Yep. Putain, j'ai même pas parlé. Eh, c'est un lion. Comment dépasser les PNJ dans le jeu. Coucou. Première round. Que la porte s'ouvre. Ouais, mais attends un peu. D'autres symboles de pirates. Adam Bodridge, Anne Bonny et Christopher Condon. Il y a beaucoup trop de possibilités. Et si on allait voir où produit cette porte? J'espère encore trouver un trésor. Pareil pour moi. Tiens, regarde, j'avais raison. Baldridge, Bonnie et Condon. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils font là exactement? Allons le découvrir. Là. Ah, quelle moustache. Parce que tiens, des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les sauts d'Avry et de Tue dans l'autre sas. Moi, j'aurais... Pourquoi il était... Moi, j'aurais carrément pris un cutter, j'aurais coupé la toile. Le gars serrait plus vite, hein, putain. Oui, c'est vrai, Condon était appelé Billy le Manchot. Voilà encore un de ses motifs d'étoiles. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ouais, bien vu, dis donc. Merci, qu'est-ce t'en dis? Le saut d'Avry et celui de Dieu. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens? Je parie que celle-là aussi. Je te parie ce que tu veux. Non, merde. Je te parie ce que tu veux que ça. Voilà. Squelette. Attends, en gros, ça fait gauche, bas, bas. Alors.
Gauche, baba. Ok. On n'est pas coincé. Arrête. Ton téléphone. Ouais, c'est l'appel à un ami. Pas loin. J'appelle Sam. Ah, Sam, son frère s'appelle Sam. C'est dans l'autre Uncharted. C'est avec les filles. Tu peux, voilà. Tu n'utilises pas un cahier, tu utilises un téléphone. Elles sont vraiment très belles, ces peintures. Si jamais on ne trouvait pas le trésor, on pourra toujours les vendre à un musée. Concentre-toi déjà sur les étoiles. Ok, si tu peux dire. William Mays. Là. Ouais, de Rhode Island. Comme Thomas Stewart. Là. Ouais. T'es encore dans la tour? Je viens de descendre là. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste ce que tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Grant. Ensuite, le Trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mays. Super. Reste dans un endroit où tu captes, au cas où j'aurais besoin de toi. Mais attends, t'as trouvé le trésor? Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai. Richard Wendt, il était le capitaine du Dolphy. Là. Avec lui, Baldridge, il faisait un concours de la plus belle boule de. Tu peux m'aider, Céline? Ça, c'est. Je crois qu'il y a un incendie sur cette toile. Merci. Non, c'est pas celle-là, il y en a une qui a cramé. C'est droit. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça me gêne. Regarde la tête de Farrell. Il a pas envie d'être là où il est. Ah, là. Attends. Et je vais me lever. Bâtard, où tu te caches ton petit crise. Ah là. Là. Non. Attendez. Ma console elle fait un bruit bizarre. Là. Non. Non. Ah là. Non. Je le vois pas, la bigone, je le vois pas. Bah là. Nada. Mais si là. Mais. Fils de chien, monsieur. Ah, mais attends. Là. Attendez. Là. Oh. Aldo, je suis vraiment en train de galérer pour toi. Mais là. Je. Attends. Et hop. Ah là! Mais. Ah si, clairement. Nada. On le voit là. Non mais les gars, vous le voyez? Le trait là. Attends. Mmh. Je fais ma gueule. Nada. Mais il est là! Regardez, on le voit le L. Ah non, je sais pas. Par contre, vraiment, je le vois vraiment pas. Au niveau de son bout. Le tissu, moi je voyais bien ici en fait. Non, nada. Mais je vois vraiment pas. Attends. Ouais. C'est un genre de triangle. Un genre de triangle. Je l'aurais mis là. Ah mais vas-y, la vidéo, mais c'est compliqué là. On va aller au talent, écoute. Hein.
Écoutez, moi, je me dis, go aller au talent. Regardez, moi je vous parie que je peux vous dire que ça, comme je suis sûr à 100%. Merde, non, juré, on peut pas le faire. Non, mais vas-y, nique ça, fils de pute. Non, mais vraiment, les gars, je galère là. Non, mais vraiment, vraiment, les gars, je le trouve pas. Et la vie, je vais le spammer. Non, nada. Mais, à mes souvenirs, il était là. Et attends. Non. Nada. Pour moi, c'était sa ceinture. Eh, dans mes souvenirs, c'était vraiment là. Et attendez. Vas-y. Non. Attends, de relief. Me pose des questions. Ah là. Voilà. Putain, fils de pute. Ah, je galère à le trouver, ce fils de pute. Ah, mais du orange sur du orange, bande de bâtards. Ouais, je suis quoi ça? Je veux bien que. Oh, mais ouais, je. Comme ça. En plus, j'avais raison. Attends. Bas. Gauche, droite. Ça ne marche pas, frérot. Pourquoi ça? Attends, ça ne va pas correspondre. Ah, attends, j'ai une idée. C'est pas possible. Comme ça. Attends. Comme. Non, pas comme ça. Non. Attends. Attends. Il y a un problème. Ah là, mais non, mais je suis juste un gros con. Hop. Attends, bah ouais. Hein? Non, ça correspond plus à là. Et j'ai aucun pic. Et j'en ai aucun qui peut être comme ça. Ah, attendez. Attendez. Ah, mais pour moi, ça serait ça. Attends, pour moi, ça serait juste ça, en fait. Hop. Ça, ah, mais... Na... Ah, avec ce petit pic en bas, non. Mais comme ça, non plus. Eh, oh. Ah, attends. Eh oui, c'est impossible.
Et putain, pourquoi il vénère autant? Et attendez. Mais putain, on va commencer. Ah, mais. Mais. Là? Et fils de ch. Et oh, je vais le mettre là parce que voilà, là c'est mieux. Là. De là. Là, comme ça. De là. Ah là. Fils de chien, il bouge pas. Là. J'en ai connu des bâtards, mais. Comment c'est possible? Non, mais ils correspondent en plus. Attends. Mais ça, c'est un truc de fou. Je comprends pas. Ah, attends. Attends. Et les gars, j'essaie des trucs. Attends. Non mais vas-y, mais oui, je c'est plus galère en plus. Ah, ça me saoule là, putain, mais regardez. Oh. Et. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas non plus. Là. Mais ça, il y en a aucun qui correspond, regardez bien. Ça se voit bien qu'il y en a aucun qui correspond. Ça, là, regardez. Hop. Et ça commence à me péter les couilles. Royal. Là. Vas-y, mais c'est vraiment débile leur interface de merde. De là à là, c'est les mêmes dessins, bande de fils de pute. Vous voyez bien que c'est les mêmes dessins, ce fils de pute de merde. Et là, ça commence à me péter les couilles. Là, ça n'a aucun putain de sens. Putain, on dirait un trisomique à côté du jeu, putain. Regardez, je vous jure, c'est pas possible. Attends, hop. Comme ça. De là. Oh bâtard, fais-moi passer plus jamais ça. Mais je m'en bats les couilles de ton putain de dauphin de merde. Et en plus, le jeu t'aide même pas. C'est pas, ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être. Regardez. Et j'en peux plus, la vie de j'en peux plus. Dans 5 minutes, je vais prendre le jeu, je vais laisser. Regardez. Hop. Là. Ils correspondent. Vous êtes bien d'accord? Pourquoi là ils correspondent pas? Pourquoi là ils correspondent? Et là, 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 là. Et. Mais ça a aucun sens! Il était même pas dans le ventre! Mais vas-y, monsieur, quoi ce jeu de merde? Alors, c'est qui ce pirate? Ben, franchement, ça me surprend beaucoup que tu les reconnaisses pas. Mais si, je les reconnais. Je veux juste vérifier que Sam aussi, parce qu'il aime se sentir utile. C'est juste ça. Ah ouais, c'est juste ça. Ah là, ça va être 4 fois plus galère, parce que là, là, regarde ça cramé, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dirais que ça fait longtemps que je suis sans décrochage. Bien. Ce qui reste. Je reconnais pas ce type. Il a l'air beaucoup plus jeune que les autres pirates. En voilà. Ah. Où t'as vu ça tremble là? Tiens, Sam vient de me répondre.
Tu vois, Sully ? Apparemment, Sam n'a pas toutes les réponses non plus. Pas de nom. Ce type est habillé comme un mort. Yazid Al-Bazar. Vous direz, un indien. Presque. Un mogol. Attends, c'est pas les mogols qu'Avry a dépouillés ? Code d'honneur des voleurs. Comme s'il était toujours respecté. Voilà. Je jure, ça c'est le plus facile. Mais lui là-bas, là, c'est le plus compliqué, ce fils de. Et eux, ils sont faciles parce que eux, je vous arrive d'arriver à. Ça pourrait suffire pour trouver la solution. Hein? Ah oui, merde. Ah. Ah, attends. Je crois que j'ai trouvé. Je suis un génie. Je suis un génie incompris, mais je suis un génie. Hop. Voilà. 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 Il faudra juste que j'aligne ça. En bas, en gauche, baba. C'est des calques comme à l'école. Et la je sais même pas si maintenant les gens utilisent encore ça à l'école ou au collège, des calques. La dernière. Voilà, on va voir ce qu'il va en tirer. Tu sais, ça me fait penser à. Attends. Qu'est-ce que tu fais? T'as juste pris des photos. Prends ça. Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, tout sûr. Dans ce cas, vous avez qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça, des indices? Ouais, allez voir. Et voilà. Oh, oh, oh. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais. Et ici, on dirait des latitudes. Si je comprends bien, va falloir qu'on mette les voiles, Mathieu, c'est ça? Rodeus Quad Licensis. Non, c'est pas possible. Quoi, pas possible? Oh là là, c'est tellement évident. Nate, pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux? Arrête de voler mystérieux, c'est bon, hein? Dis-moi plutôt de quoi tu parles. Attends. Sam, t'as eu les photos? Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro? Sullivan l'a laissé sur une serviette? Si seulement. Ça aurait pu me coûter quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort. Ah. J'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Oui, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. Est-ce que tu me lances un défi? Nate, tu sais que je suis du genre joueur, mais ma partenaire, elle, elle est plutôt du genre à se dispenser de prendre des risques inutiles. Oh, Ray Fadler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber, tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout pardonner. On se souvient du bon vieux temps. Si t'entends que ça puisse pas, Ray, je t'avoue quand même que. C'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois. Très bien. Rodeus Quad Licentia. Tu es la liberté. Très belle photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté mon téléphone. Tu m'as volé la foi. Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin, tu vas accepter mon offre. Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais je dois prendre cet appel. Attends, Nate, raccroche-moi. Nate. Quoi?
dis-moi, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puces GPS, hein? À bientôt, mon pote. Merde. Laisse-moi deviner, les types armés vont débarquer dans le coin. Sam, pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Pareil, nous a localisé. Sam! Sam! Hey! Je t'en paierai un autre. Ouais, faut en des prépayés, c'est mieux. Hein. Intraçable. J'ai mal aux dents. Et bon, sur ce les gars, on va s'arrêter ici. J'espère que c'était une bonne journée. Là, ça serait la partie 8. Voilà, parce que ça a fait la partie 8 là, parce qu'on est en partie 8 en haut. Vous le devez savoir, parce que vous avez regardé la vidéo. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, hein, tout c'est tout ça. Moi, je vais arrêter là. On va continuer la suite la prochaine fois. Là, je vais juste vous dire que j'arrête ici, que je vais reprendre plus tard. Et là, c'est juste une petite vidéo pour vous dire que je reprends les vidéos. Après, on va faire sûrement des petites vidéos sur Fortnite parce qu'il y a la mise à jour. Voilà, voilà. Bisous.